Bonjour, comme d'habitude, j'ai oublié de commencer la vidéo, j'ai commencé à travailler dessus. Changement bougie de préchauffage, bon, c'est très rapide, hein. Donc vous avez le cache moteur dessus normalement qui est là-bas. Voilà. Vous tirez dessus, vous verrez, c'est des cils enveloppes, des petits cils enveloppes en plastique. Donc vous tirez dessus. Les bougies de préchauffage sont ici, hein, sont très simples, elles sont devant. Donc vous enlevez chaque fil de bougie de préchauffage. Auparavant, ce qui est le mieux à faire, c'est que vous débranchiez votre batterie. Chose que j'ai pas fait, bien sûr, mais bon. Le mieux, c'est que vous débranchiez votre batterie. Il faut que vous fassiez tourner un peu votre moteur pour qu'il soit chaud. Une fois qu'il est chaud, vous l'éteignez et vous mettez tout de suite du dégrippant. Si vous avez une bombe de dégrippant WD ou autre chose, vous voyez, un coup de bombe de dégrippant, vous attendez 1 minute et après vous prenez votre. Voilà, non, je l'ai mis où? Il faut que je le retrouve. Ah ouais, là, vous prenez une douille longue de 8, c'est du 8. Une douille longue de 8, ça c'est primordial. Une douille longue, sinon vous allez risquer de faire des bêtises. Et ben, vous desserrez et vous y allez, mais vraiment tout doucement. Nous, on a eu de la chance, elles n'étaient pas bloquées du tout. Je crois qu'on avait changé une, mais c'était pas sérieux, donc on en a racheté 4. On a racheté 4, je vais vous faire voir ce que c'est. Normalement, c'est des Beru. Pour moi, c'est une des meilleures marques, hein, surtout pour tout ce qui est diesel. Donc, Beru. Et je vais vous faire voir la référence. C'est celle-ci, Autodoc, hein, comme d'hab. Et j'ai essayé de vous faire voir aussi la référence qu'ils mettent eux. Attendez. Hop, 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 hop. Hop. Ah. Là. C'est ça. Voyez? Pour l'Opel Corsa 1.3 CDT, il a 70 chevaux, mais je pense que ça doit aller aussi sur beaucoup de modèles. Donc, vous desserrez tout doucement, vous faites attention, ne forcez pas, surtout, faut forcer un peu, bien sûr, mais pas beaucoup. Si toutefois, au départ, ça force, vous resserrez un tout petit peu avant de desserrer. Vous resserrez un tout petit peu et après, vous desserrez doucement. Vous voyez, moi, j'ai pris un tout petit cliquet. J'ai un tout petit cliquet pour ne pas avoir trop de force, pour pas, parce que si vous cassez votre bougie de préchauffage dans la culasse, au secours, hein. Mais bon, pensez-y à les changer, vos bougies de préchauffage, parce que quand ça arrive beaucoup trop loin, le bout, je faut avoir. Le crayon au bout, bah, s'il est complètement mort, il arrive à, des fois à se casser. Et là, c'est une catastrophe, parce que bah, normalement, il faut ouvrir le moteur, déculasser, parce que ça tombe sur le piston. Alors, quand le moteur est en mouvement, avec les soupapes, etc., ça fait une salade de soupapes. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais les enlever et vous faire voir l'état comme elles sont. Voilà, je vous montre, c'était premier cylindre côté boîte. Vous voyez? Alors, on voit pas bien, ça arrive pas à bien faire le point. Elles sont pas dans un état catastrophique, mais on va les changer. Il y en a qui sont quand même un peu plus fines. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, on les change. Donc, je vais prendre les nouvelles bougies de préchauffage et je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée sur le filetage. Je vais vous montrer ça et puis à combien elle les resserre. Voilà, j'ai mis un peu de graisse cuivrée dessus. Hop, j'ai mis de ça. Et maintenant, on regarde. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Bougie de préchauffage sur culasse. 1, c'est-à-dire 10. Donc je suis à 10. Je suis à 11, hein. Pour vous dire la vérité, je suis à 11 parce que 10, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Mais bon, de toute façon, quand on les a défaites, c'est vrai qu'elles étaient pratiquement pas serrées sur la culasse. Donc, bah, tout simplement, hein. Vous remettez vos bougies, puis je vais en faire une avec vous. Donc, je les ai mis à la main et je vous fais voir avec la dernière à 10. Pas évident d'une main. Et voilà, 10, j'arrête. On a l'impression que c'est pas trop serré, mais c'est largement. C'est bien mis à 10. Donc ensuite, on va en mettre vos petits câbles. Hop. Hop, vous entendez un petit grand à chaque fois. Hein. Hop. Voilà, nous on a une petite suspicion au tableau de bord, je vais vous faire voir tout à l'heure. La voiture avec la clé, vous savez, avec la molette dessus. Quelquefois, ces bougies de préchauffage qui sont plus bonnes. Donc, on va enlever déjà ce problème-là. Si toutefois, au moins, les bougies de préchauffage sont neuves, alors autant vous dire que ça va ramener déjà un petit peu plus loin. Donc, pour résumer, vous enlevez les autres doucement. Hein. Forcez pas de trop. Ça force beaucoup, beaucoup au départ. Vous serrez un tout petit peu et vous redesserrez. Normalement, ça devrait aller bien. N'oubliez pas, moteur chaud. Faites bien chauffer votre moteur.
Vous mettez un petit peu de WD-40, du dégrippant. Vous attendez un petit peu. Vous le desserrez. Vous enlevez vos bougies de préchauffage. Elles vont venir toutes seules. Vous les remettez à la main ou simplement avec le tube. Mais vous le mettez à la main. Et il faut vraiment pas que ça force. Si ça force, vous redesserrez, vous resserrez. Vous nettoyez vos filetages s'il le faut. Auparavant, vous mettez de la graisse cuivrée. On ne sait jamais si un jour vous devez les redémonter, ça sera quand même beaucoup plus facile. Ça ne sera pas collé avec l'alliage de la culasse. Et vous les mettez d'abord tous les quatre à la main. Vous mettez, si vous avez un clé dynamométrique, vous le serrez à 10. Enfin, un Newton, un décanewton, donc 10 pour moi. Si vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous mettez votre clé avec deux doigts, vous poussez comme ça et vous arrêtez. Vous ne serrez pas trop fort, hein. Vous remettez vos câblons, vous remettez votre cache dessus, vous rebranchez votre batterie et normalement c'est bon. S'il y en a qui ont une petite valise, essayez de mettre une valise, un coup de valise sur votre voiture pour effacer le défaut et vous verrez peut-être que ça ne reviendra pas. C'est peut-être simplement une de vos bougies de préchauffage ou deux ou trois qui étaient flinguées. Parce que c'est les moteurs, même quand il fait froid, qui arrivent à démarrer sans trop avoir de bougies de préchauffage, même si ça soit à moitié flinguées. Donc on ne sait jamais, c'est peut-être un problème en moins pour certains, si ça peut aider certaines personnes. Je vous souhaite bonne mécanique et à bientôt. Ciao!